Et donc, ben, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tout simplement de jouer donc à Car Mechanic Simulator 2014 aujourd'hui mardi. Donc c'est tout simplement, donc il faut faire un temps de 12 secondes. Donc c'est notre cinquième commande et on reçoit 16 000 en début de mission pour pouvoir modifier. Donc j'avais déjà enlevé les quatre roues. J'aimerais bien voir. Pas l'état des pièces, je m'en fous. J'avais tout changé sauf les roues, c'est ça? Montrer l'inventaire. C'est ça, donc il reste plus que ça à remonter. Le démarreur aussi d'ailleurs, n'est-ce pas? Le démarreur qui se trouve normalement devant sur ce genre de voiture. Montage. Le démarreur suivi par tout ce qui est roue, bien évidemment. J'ai pas oublié de remonter la pompe à carburant, non, donc c'est bon. Alors ici, le joint gauche. La roue. Et puis bien sûr, sans oublier les autres pièces, les autres roues. Pareil, le joint, ça, et puis on passe à la roue. J'ai mis le différentiel au moins. Ouais, d'accord, il reste plus que les roues et les joints. Bon, d'accord, c'est clair. Hop, ça c'est fait. Ça c'est fait. Voilà. Maintenant, on passe à la dernière. Hop. Et hop. Et j'ai vraiment hâte, c'est au 2015, moi, ou au prochain, là, qui va sortir. J'ai vraiment hâte qu'il sorte, lui. Alors, du coup. On va faire un peu de dynamo en cas où. Donc, on va faire programme prom. Ça, c'est bon. Alors, du coup, il faut faire 1, 1, 1, 1. Pouf. Tac. Et on lance le test. Là, on va être à ouais, 592 chevaux. Donc, du coup, on est obligé de quitter normalement comme ça. Donc, après, on va se faire le petit test sur piste pour voir si on fait le bon temps, si on est en dessous le temps ou au-dessus. J'espère qu'on sera en dessous. Alors, on va à la porte. De derrière, et puis c'est parti. Il faut faire 12 secondes. Est-ce qu'on va les faire? Oh, 11h46, allez hop, c'est fait. Bon. J'ai juste un petit truc à faire, je reviens. Allez. À tout de suite. Donc voilà, c'est bon. Alors. Donc on valide. Et on passe donc à la mission suivante. Alors, ça va être quoi cette fois-ci? Quel genre de voiture allons-nous réparer? Une petite voiture sympa, donc on est à 5008. Donc on a reçu 5008, voilà, 6000. Bon, ben, ça va pas être folie, ça va pas être joyeux, joyeux. Je vais peut-être commencer par. Je vais enlever les roues déjà, ou le dessous d'abord. Le dessous, le dessous.
Le dessous avec le pot d'échappement. Vive l'aspirateur. Donc la pompe à carburant. Hop, hop, hop. Ça c'est fait. Le pot d'échappement. Le pot d'échappement arrière. J'enlève tout et puis comme ça on voit qu'est-ce qu'on peut acheter. À mon avis, ce sera pas grand-chose. Ça qui est dommage. Parce que vu ce qu'on a eu comme argent, je peux rien m'acheter. Ça c'est bien dommage. Bah je vais pas vous mâcher grand chose quoi. Là tout ce qui est moteur je peux rien changer. Je peux faire que les petites pièces quoi. Alors est-ce que ça vaut le coup de tout enlever quand même? Bon j'enlève tout et puis on verra. Donc là du coup c'est une roue avant. Donc je n'enlève que les roues avant. Alors après, c'est ça. Tac. Pareil pour l'autre côté. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, l'arbre de transmission. Ensuite, sous le capot. Donc celui-là. Alors, malgré que je puisse pas le changer, celui-ci, je vais quand même l'enlever. Hop, voilà. Donc, le collecteur d'échappement. Après, les bougies. Faisceau d'allumage, modèle d'allumage, les bougies. J'enlève en cas où. Je vais tout enlever et puis on verra après. Je fais au plus, au moins cher, du moins cher au plus cher. Alors, celui-là, celui-là et celui-ci. Tac, des binettes, couvertes de filtre à air. Et le filtre à air. Après, il y a la boîte de vitesse. Donc, du coup, il y a le démarreur. Tac. La boîte de vitesse. Hop, 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 hop. Donc, tout ce qui est embrayage. Plateau, donc ça veut dire la butée d'embrayage, le plateau de pression d'embrayage et le disque d'embrayage. Voilà. Bon. Alors maintenant, c'est parti. Donc on a 6000 euros. 6000 dollars canadiens en fait, c'est du dollar. Donc les bougies, donc déjà on en a 4 à prendre. Donc 1, 2, 3, 4. Le moins cher c'est le filtre. Alors pour 100 après 100, alors j'ai 200 ici. J'ai 200 là. 200. 200, donc 300 on avait pris. Pot d'échappement arrière. 200, 300. Il nous reste 5000. Qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai pris ça. Donc ça c'est bon. Donc après ça normalement. Celui-là c'est 4. Ça fait. Normalement les bougies ça fait 400.
Donc 300, je l'ai fait. Après, c'est 400, 500. Alors, il y a le pot d'échappement. Pot d'échappement. Après, il y a le plateau de pression de disque. Et pompe à carburant. Est-ce que j'ai acheté assez pour m'acheter la... Alors, on peut s'acheter le silencieux central à 700. Du coup, il nous reste 2000. Alors, soit on va s'acheter la celle-ci pour 1000. Non, c'est la moins chère. Paf, 1000. Et après, donc, on passe à la vente de ce qu'on n'a pas besoin. Donc, autrement dit, les 4 bougies déjà. Donc, une, deux, 3, 4, le filtre à air. Ah, j'ai pas pris le faisceau. Donc j'ai pris le plateau de pression d'embrayage. D'accord. J'ai pris le disque aussi, je crois. Ouais. Donc j'ai pris le pot avant, central, pot d'échappement et pot arrière. Donc j'ai pris le pot d'échappement, l'arrière, le central et l'avant. Pompe à carburant, pareil. Et puis on a le silencieux central aussi. Et du coup, je vais peut-être prendre le module d'allumage. Parce que là, je l'ai pas pris. Donc, du coup, faisceau d'allumage pour 300 et il nous reste 3000. Alors, c'est soit 1005, soit 1002. Je pense que je vais changer celui-là. 1002. Il reste 2000. Alors, du coup, là, après, il n'y a pas celui-là, du coup. Modèle d'image, 1005. Là, je crois que je vais arrêter. Oui. Alors, du coup, on a acheté quoi? On a acheté le faisceau d'allumage, le module d'allumage. Faisceau, module. Et collecteur d'échappement. Voilà, bon, j'arrête là. Sinon, ça va faire trop de choses après. Alors, du coup, moteur, montage, tête de cylindre, obturateur, collecteur. En règle générale, on peut quand même changer pas mal de pièces, malgré qu'il nous donne pas beaucoup d'argent. En prenant que les petites pièces dès le début et en se faisant après au début de la partie, on peut se faire. Ça peut être bon. Donc les bougies. J'espère que j'ai pas oublié de pièces ou que j'ai pas vendu ce qu'il fallait pas. Hop. Le module et puis le faisceau. Le couvercle. Le filtre à air. Couvercle de filtre à air. Débitmètre. Tuyau d'admission d'air. Hop. Voilà. Après, donc il y a donc il y a celui-ci, donc plateau de pression, disque d'embrayage et butée d'embrayage, ainsi que la boîte de vitesse. Donc après, il nous reste tout ce qui est en dessous, plus le démarreur, bien évidemment, que j'allais oublier.
Voilà, démarreur. Donc ça c'est fait. Je vais monter de... Je vais faire de suite les roues. Comme ça sera fait, puis ça sera plus à faire. Hop. Tac. Alors, mon capot, je vais fermer. On n'a plus besoin du capot. Alors, celui-ci. La roue. Et après, il nous reste le dessous. Donc, on va soulever le pont. J'ai dû soulever le pont. Merci. Et donc, on va commencer par le devant avec le pot d'échappement avant. Hop. Voilà. Catalyseur que j'avais pas eu assez pour le changer, donc du coup on garde le même. Pot d'échappement avant. Non, pot d'échappement arrière, je pense. Parce que pot d'échappement avant, c'était là, c'est central celui-là même. Donc le silencieux central. Et puis silencieux arrière. Ainsi que le pot d'échappement. Et après, il nous reste la pompe à carburant aussi. Là. Paf. Et voilà. Donc, ici, on va se faire un peu de tuning. J'espère pouvoir finir cette c'était donne. Alors 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pouf, ça c'est fait. On lance le test. Donc on va monter à 170. Voilà. Du coup, on va sur la piste. Hop. Alors, combien on va faire là? J'ai même pas regardé qu'est-ce qu'il fallait faire comme temps. On verra bien si on y est dedans. Oula. Oh 11:33, attends. Alors, si j'ai réussi à faire un bon temps, rien qu'en me foirant comme ça, là, je dis chapeau. Non, il faut faire 1. Ah, il faut faire 17. Mais à mon avis, j'ai dû 17-10 qu'il faut faire. Bon. Alors, du coup, on va essayer de le faire. Hein. On va refaire 17 minutes. 17 secondes 10. Bon, cette fois-ci, je vous foire pas. Allez. Hmm. 14, 15, 16. Oh, 6, 16, 88. C'est bon, ça.
Donc ça fait une mission en moins. Donc là on est déjà à la on était à la sixième. Donc après ce sera la septième. Donc il restera plus que 10 missions après. Donc du coup, je valide et puis on se dit à tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors du coup voilà, on se retrouve pour la suite, donc pour la mission, pour la commande numéro 7. Donc on nous donne 5100 USD pour faire cette mission et il faut faire un temps de 18 secondes et 50 centièmes. Donc on va y aller, on va commencer déjà par démonter tout ce qui est pot d'échappement et pompe à carburant. Alors pompe à carburant, elle est là. Voilà, le pot d'échappement. Hop. Pot d'échappement arrière. Silencieux central. Hop. Pot d'échappement central. Et j'ai toujours hâte d'avoir le 2015. Je sais quand. Bah, je sais. Ils ont annoncé des dates de sortie, mais bon, après. On va laisser le temps. Hein, parce que sinon. Mais il va sortir, ça c'est clair. Il sortira. Donc après, ils vont peut-être faire d'autres jeux aussi. Ils vont sortir des jeux de mécanique sur machine agricole et sur camion aussi. Ils ont dit ça sur Kickstarter là où ils ont mis là où ils ont fait le projet bah, le projet pour CMS15 quoi. Donc il y aura sans doute prochaine bah, aussi cette année la sortie d'un jeu de mécanique sur camion et un autre sur tout ce qui est tracteur et machine agricole. Donc on verra quand, mais je pense que ça va pas tarder. Et un français. Donc ça c'est bon. Le moteur. Alors je vais commencer par filtre à air. Hop, 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 hop. Hop, le filtre à air. Ben, du moins tout ce qui est la trans l'aération du moteur. Alors le collecteur d'échappement ici. Hop, hop. Et voilà. Après, donc il y a le faisceau d'allumage. Je sais pas si on verra si j'ai le temps. Pour l'instant, ça va. Ou sinon, la mission on la finira la prochaine fois. Hein. Donc, les quatre bougies. Et puis le module d'allumage. Donc après, il nous restera. Donc ça, je démonte. Ça je démonte. Après donc on a le démarreur et la boîte de vitesse. Hop, hop. Lumière là où il y a le plus de vie, c'est dans le collecteur d'échappement. Il y a Alors quand c'est un simple, il y a au moins 4 fois 4, 16 vis. Alors quand par contre quand c'est un V6, il y en a au moins pour il y a déjà 3 groupes de vis de chaque côté. Sachant qu'il y a 4 à chaque fois il y a 4 vis, ça fait 3 fois 4, 12.
2 et 2, 4, ça fait. 1, 2, ça fait 36. 36 vis, quoi. Ça fait long, quoi. Alors, on va tout de suite commencer. Je pense que je vais commencer par le filtre, déjà. Donc, ça fait 100. 100, après ici, c'est 400. Est-ce qu'il y a moins cher? Donc, il y a déjà celui-là. Celui-là. 200. 200, après c'est 400. Alors 400. 200, 300 même. Donc il y a celui-là. À 300. 300, il y a le faisceau d'allumage à 300. Il reste encore 5000. 300, après donc 400. À 400, donc ça fait les 4 bougies. Donc 1, 2, 3, 4. 4 bougies. 400, donc il y a le pot d'échappement. Non! Je viens de me faire couillonner. Je viens de me couillonner, donc c'est celui-là. Celui-ci. 600. Après, je crois qu'il y a, ouais, il y a le pot d'échappement central et puis celle-ci. Putain, je me suis fait couillonner. 700, 700. Mais après, le moins cher, il y a 1000. Il y a le. Il y a celui-ci, quoi. Et il y avait le faisceau d'allumage que j'aurais pu prendre aussi. Bon, allez, on va le prendre. Il coûte... moi, je l'ai déjà pris. Je l'ai déjà pris. Je suis en train de me. Je suis en train de me. De plus savoir qu'est-ce que j'ai acheté là. Faisceau d'allumage, j'ai déjà pris. D'accord. Par contre. Celui-là, j'ai pas besoin. Bon, alors du coup, on y va. On va vendre ce qu'on n'a pas besoin. Donc, déjà. Les 4 bougies, c'est fait. 1, 2, 3, 4. Après, il y a le filtre à air. Donc, filtre à air. Non, pas couvercle. Filtre à air. Pot d'échappement avant, central, arrière. Pot d'échappement avant, central, arrière. Pot d'échappement aussi. D'échappement aussi, silencieux central aussi, plateau de pression d'embrayage et disque d'embrayage, silencieux central j'ai fait, pas déjà manqué, pompe à carburant, qu'est-ce que j'ai acheté? Bah, je crois que là j'ai tout vendu ce que j'avais acheté. Donc maintenant. Ah bah non, le silencieux central. Du coup, on va pouvoir. Pour 3000 alors, pour 3000 USD. Donc 3000. Alors 1000 on l'a déjà pris, donc c'est soit 1200. Bah, ça va être le 1200, ça va être celui-ci de manière. Il nous reste 1008. Bon, on peut se prendre le module de l'image à 1005 si on veut. Allez, soyons fous. Maintenant, je vais encore revendre des pièces. Donc, on s'est acheté quoi? Collecteur d'échappement, module d'allumage. Module. Collecteur. Bon, je crois que je peux plus rien acheter maintenant, c'est bon. Ah, mais. J'ai pas vendu celui-là. Bon, on va arrêter là. J'espère que j'ai pas vendu des pièces qu'il fallait pas. Alors, dans le moteur. Couvercle. Obturateur. Collecteur.
Yep. Hop. Bien, les vis, quand on met les vis, on les fait au fur et à mesure, chacune à un tour. Et puis à la fin, on soupe bien. Voilà. Hop, hop. Ça, c'est fait. On va mettre l'allumage. Ça. Ça. Le module. Et celui du faisceau. Je vais mettre le disque, le plateau. Et puis nous, on va se dire à la prochaine. Donc du coup, je finis de visser ça. Et voilà. Donc on se dit donc du coup à la prochaine. Donc n'oubliez pas les petits commentaires, les pouces bleus et de vous abonner. Donc moi je vous dis à demain pour du Euro Truck Simulator 2. Donc on se dit à demain et ciao ciao.